très fluctuant, les connecter. Ça passe bien ou pas? En plus, j'ai plus mon logo de connexion. Là, hop là, parfait. Là, ici à l'étage, je capte petit. Bien, on va démarrer, on va faire l'échauffement et on va axer dos. Merci Damien. Et abdos. Super Michel, donc parfait. C'est rassurant parce que des fois on se sent un peu seul par là. Alors, si vous avez votre musique, c'est parfait. Et pour le coup, on va travailler l'ouverture de ces omoplates, enfin plutôt l'ouverture du cœur, de la poitrine, et on serre les omoplates derrière. On rentre le ventre et on va vraiment travailler son dos, tous les muscles qui sont à l'arrière. Pour le coup, on va y aller tout doucement, évidemment, ça va bouger beaucoup les bras. Je serre le ventre, j'ai le menton décollé, j'ai le ventre rentré, j'ai les bras tendus et mes omoplates sont fort serrées derrière pour monter mes bras. C'est pas ici et puis ça, hein. C'est vraiment, je suis très droite. Cœur sorti, omoplate serrée. Et ça monte. Et l'autre côté. Ok, on va faire avec du mouvement. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Bras tête très tendu et je suis haute, grande. Et les omoplates vraiment. Et maintenant, on va le faire avec ce mouvement-là. Là, ça monte sur le côté. Omoplate serrée derrière. Le bras est fort tendu. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, rentrez le ventre, 2, 1, et lâchez. Peut-être ça tire aussi les épaules. On reprend. On est redressé, très droit, très grand, très grande, très haute. C'est ici, je suis redressée, la poitrine sortie, la cambrure avec les jambes fléchies, je suis redressée. Les bras tendus, omoplates serrées, et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, redressez-vous, grandissez-vous, 7, omoplates serrées, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et lâchez. Ok, la même cette fois-ci. Les bras qui vont monter au plafond. 1, 2, 3, 4, je suis droite, hein, je ne suis pas là. 5, vous travaillez ici. 6, soufflez. 7, 8, 9 et 10. Yes. Alors, on est un peu sur les cuisses. Hein. On reprend. Je suis toujours sur mon petit squat, épaules très serrées, les bras qui montent, hein, les omoplates très serrées.
Le ventre rentré, la poitrine sortie, ça fait un peu une cambrure, hein. Mais on la garde, on est solide dans nos jambes, la cambrure, elle est OK. J'ai les coudes au niveau des épaules, je serre derrière très fort. Un. Je ne vais pas tomber les coudes. Deux, ça tire les épaules devant. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Et tire fort derrière. On fait des petits mouvements derrière. Un, deux, trois, quatre. 5, 6, les omoplates se serrent, 8, 9 et 10. Et là, ça tire les pectoraux et on serre très fort les omoplates derrière. On est toujours sur l'échauffement pour ceux qui nous rejoignent. On continue. Allez, un petit peu de oblique et on va tourner autour de son axe de la colonne vertébrale. Un petit peu de squat, pas très fort, mais les fesses tirées derrière, le ventre rentré, la poitrine sortie, les omoplates serrées, je les garde serrées derrière les omoplates et je tourne jusqu'à regarder derrière. 10, 9, ne faites pas tomber les coudes, 8, 7, et ne fermez pas les bras, les omoplates sont serrées derrière. 6, la serrez derrière tout le temps. 5, je ne fais pas de fermeture de bras, je les garde très ouverts. 7, 8, 9 et 10. Ok, lâchez les bras, les épaules et on va faire sur le côté pour bosser. Les obliques, là toujours un petit squat de rien du tout, les fesses tirées derrière, le corps qui est redressé, la poitrine sortie, les omoplates serrées et sur le côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, ça me fait du bien aussi de la faire cette séance. 7, 8, 9 et 10. Et je reprends ici. Là, ici, et je tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les bras tombent, je les remonte, je serre derrière. 1, des petits mouvements. 2, 3, 4, soufflez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je reprends sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, ventre rentré, je suis grande, grande, 7, 8, 9 et 10, et lâchez. Si vous avez des petits poids ou des petites bouteilles ou des petits livres, on peut aussi prendre des choses dans les mains. On va refaire une série et on peut tout refaire avec un petit poids dans la main, une petite bouteille ou même deux livres dans la main. Et c'est reparti. Ici. Et on a dit bras tendus et ici. 1. 2, doucement, bras tendus, 3, omoplates serrées, poitrine sortie, 4, 5, 6, 7, 8, soufflez, 9 et 10, et encore 5, 6, 1, 2, 3, 4 et 5, on serre bien les omoplates derrière, hein. Ici, je vous m'avais dit qu'on montait devant, et 1, 2,
3, je fais un vide aussi, j'ai rien dans les mains. 4, pas grave. 5, soufflez. 6, 7, 8, bras tendus, ventre rempli, absorber, nourrir. Et 10. Ici, les coudes hauts, les omoplates serrées. Et je ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ici, on peut garder les bouteilles. On va tourner. 1, 2, 3, 4. Pardon, on ouvre fort. 5, on ne ferme pas. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, je continue. Je garde les épaules hautes, les omoplates serrées. Et je vais faire des petits mouvements derrière sur le côté ici. Là, des mouvements 1, 2, 3. Je me retourne plus fort. 4, 5, 6. L'autre côté. 1, 2. Ouvrez les omoplates. 3, 4. Serrez-les plutôt. 5, 6. Et lâchez les bras. Petit squat. On se redresse et sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Soufflez. 6. Je commence à sentir mon dos. 7, 8, 9. Et du même côté. Et 1, 2, 3, 4. 5, sortez les omoplates. 6, sortez la poitrine. 2, serrez les omoplates. 5 et 6, et lâchez ce mouvement. Ok. On va changer de petit mouvement. Ce qui est bien avec des bouteilles poids, c'est qu'on peut boire. D'ailleurs, je vais le faire. Boire dans les deux, mais bon. Allez, ici. Si on est prêt, on peut y aller avec ou sans petite bouteille, avec ou sans livre dans les mains. Là, j'ai 500 grammes en pleine. Mais c'est bien d'avoir quelque chose dans les mains. Ici, on va tirer les fesses derrière, fort, fort, fort. On va mettre son dos à l'horizontale. Et on va tendre les bras. Et un. Et deux, fort devant, on tend fort les bras. Je serre derrière les coudes. Et trois. Et quatre. Et encore, je reste un peu devant, bras tendus. Les coudes sont hauts. Cinq. Six. Sept, tire les fesses derrière. Huit. Comme si tu voulais t'agrandir, pousse les bras devant. Souffle. 9. Et 10. Et reste-toi. Yes. On va commencer à sentir un petit peu le dos. Et les bras. On va reprendre sur cette position-là. On va ouvrir. Je suis ici. Fesses tirées fort derrière, on est sur les talons, le corps à l'horizontale, les coudes comme ça, vous me voyez, les coudes hauts, je me grandis, et là, je descends, et un, serre les omoplates, 2, 3, allez, on accélère, 4, serre fort les épaules, les omoplates derrière, 5, 7, 8, 9 et 10. Et reste là et regarde, on va tourner sur le côté. Ça
Ça fait ça. 1. Les omoplates serrées. 2. 3. 4. 5 et 6 et 7, on se grandit, et 8, on serre les omoplates et on tourne, 9 et 10, et je repars devant, tire les fesses, grandis-toi, souffle, redescends les bras et je les monte devant. Alors là, j'ai le dos un peu rond, j'essaye de tirer les fesses derrière pour avoir le dos plat. 1, 2, 3, 4, sors la poitrine, 5, 6, rentre le ventre, 7, 8, 9 et 10. Et souffle, yes, on va marcher en dos. Ça va, je ne me suis pas trompée d'exercice. Ok, ça c'était pour la partie debout. On va réenchaîner tout assez rapidement et on va passer au sol ensuite. Vous êtes prêts? Je bois dans l'autre bouteille. Ça équilibre. N'oubliez pas de boire. Enfin, c'est parti. Avec ou sans petit poids. Et 1. Et 2. On est grand. Omoplate serrée. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, allez, 10, on en fait encore 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et je lâche, je suis ouverte ici, je tends les bras, et ici, je serre fort derrière, 1, 2, 3, 4, 5, serre les omoplates. 6, c'est derrière que ça travaille. 7, 8, 9, bras à l'horizontale, ici, et 10. Encore, tire les fesses à peine, tout petit squat, redresse-toi, rentre le ventre. Mais tire les fesses encore derrière et ici. 1, 2, bras tendus. 3, allez, rentre le ventre. 4, sors la poitrine. Bras tendus, 5, 6, 7, 8, souffle, 9, 10. 11, 12, je m'arrête avant si ça commence à tirer, hein. 13, 14, 15, tenez-vous droit, et 16, sur le côté, je me tiens droit, je rentre le ventre, je serre les épaules derrière, les omoplates, je sors la poitrine, ici, à l'horizontale. Et 1, là, 90 degrés, 2, 3, 4, 5, comme à la machine à la salle, 6, 7, 8, les omoplates se serrent, 9, on se grandit, 10, 11, allez, je m'arrête si je veux, mais je continue encore si je peux. 14 et 15. Et ça, c'est pas mal. Moi, je commence à... Ok, on reprend. Je garde les épaules très ouvertes et je tourne. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il n'y a pas de fermeture. Je reste grand. 13, 14, 15 et 16. Et des petits mouvements. 1, 2, 3, 4. Fond les omoplates. C'est le plus important. 3, 4 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 de l'autre côté. Dernier. 1, 2, 3. Serre les omoplates. Et 4. Toujours ici. Je suis droite. Je rentre le ventre sur la poitrine. Rentrez le ventre. Ça me fait sortir la poitrine. Et je serre les omoplates derrière. Je n'oublie pas cette posture. Elle est très importante pour tous les muscles de la posture du dos. Les exercices avachis. Hein. Je peux les faire comme ça, avachis. Ça a beaucoup moins d'efficacité. Je peux faire ça avachis. Je peux faire ça avachis. Sans me grandir, ça marche aussi. Hein. Mais moins bien que si je fais vraiment l'effort de rentrer le ventre, de serrer les omoplates et de sortir la poitrine. Essayez de garder cette posture de fière allure avec la poitrine sortie, les omoplates serrées. Ici, si vous refaites la séance, pensez que la posture est très importante. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et des petits mouvements. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'autre côté. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Première partie. On reprend cette posture où je suis une table. Je tire les fesses derrière. On peut boire un petit coup, hein, s'il faut. J'ai un peu de temps. Allez, on s'attend un peu. Deuxième partie de l'échauffement. Vous nous rejoignez. Je tire les fesses. Je suis une table. Pour être une table, il faut tirer les fesses, rentrer le ventre et serrer les omoplates. Vous avez vu comment mon dos se redresse si je tire les fesses, rentre le ventre et je serre les omoplates. Je peux mettre ma tête dans l'axe. Et c'est parti. Ici. 1, 2, serre les omoplates. 3, 4, entre le ventre. 5, 6, 7, 8, souffle. 9, j'ai les jambes à peine fléchies. Hein. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tire ces omoplates. Petit mouvement, les omoplates tirées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et regardez, on va passer devant tout de suite. Soufflez. Steph, mets-toi en table. Et les bras très hauts. Et là, 1, bras tendus. 2, 3, 4, les bras aux oreilles. 5, 6, 7, 8, 9, c'était même mal dans le bas du dos. 10, dans les grands dorsaux. Protège les lombaires. 14, et 15, vous êtes prêts? Si c'est trop dur, on revient ici et je tourne. 1, 2, 3, 4, et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, et je tourne de l'autre côté. 1, 2, serrez les omoplates. 3, 4, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, et posez les bouteilles. Redressez-vous. Et normalement, on sent bien toute la chaîne du dos, les grands dorsaux ici, jusqu'en haut des omoplates. Ok, on va passer au sol.
Alors, j'ai un petit réglage pour moi. On va continuer le dos. On va le laisser tranquille. On va faire un peu d'abdos. Ça a l'air pas mal, ça. Et ça a l'air pas mal du tout. Ok. On peut tout faire sur les avant-bras. Mais si je veux, je peux le faire aussi en planche. Je vais commencer par la planche. Ici. Et je vais lever une jambe, puis l'autre. Une jambe, puis l'autre. Et si je veux, je peux aussi le faire sur les avant-bras. Ici. Gainage, une jambe, puis l'autre. Si Martine, tu es là, tu peux le faire sur les avant-bras. Là, on est sur abdos et un peu sur dos. Vous devez sentir votre dos avec les efforts qu'on a fait sur le dos. L'échauffement debout. Et lâchez. Ok. Je peux continuer sur les avant-bras et je peux garder bras tendus. Ici, ici. Je peux aussi juste faire cet exercice-là, pas mal non plus, mais aussi qui est sur les poignets, mais je peux aussi le faire en gainage. Allez, c'est parti. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et lâchez la planche, le gainage. Ok, récupérez du mouvement, il faut faire du mouvement dynamique. Si le mouvement c'est trop compliqué, je garde le statique. Ça me fait rire ce que je fais, genre je vous regarde, mais en fait je me vois. C'est parti, on y retourne. Sur les avant-bras ou sur le gainage. Alors, j'y vais, je lève une jambe, vous la voyez, le bras opposé. 1, 2, 3, 4, posez l'autre côté. Pas très loin, hein. S'il faut, c'est pas très haut. 2, 3, 4. Et si je veux, je le fais sur les avant-bras. Vous alternez ou pas. Sur les avant-bras. Là, une jambe tendue, à peine décollée. Si j'arrive pas à décoller les jambes et les bras, je garde le gainage de la planche normale en statique avec les quatre appuis. Ici. 1, 2, 3, 4. Et l'autre. Là. 1, 2, 3, 4. Et l'autre. 1, 2, 3, 4. Et l'autre, 1, 2, 3, 4, et l'autre. Là, on est vraiment en spécifique dos et abdos. 1, 2, ça peut, c'est pas forcément très haut, hein. 3, la diagonale, 4, et l'autre, 1, 2, 3, 4. Tout ce que je vous propose, vous pouvez rester là s'il faut, hein, sur le petit mouvement-là. On n'est pas obligé de lever tous les appuis. Et je pose. Yes, ça c'est pas mal du tout. Allez, on lâche pas le dos. Pareil, on peut faire aussi sur les avant-bras.
Je vais commencer par les avant-bras et on passera sur les bras tendus s'il faut. Alors, on l'a déjà fait au cours, sur les avant-bras. Je soulève à peine. 1, 2, 3, 4. Je continue à faire des mouvements. Si rester tout là-haut, c'est un peu dur. 1, 2, 3, 4. Alors, les autres, peut-être, ça continue ici. Pour ceux qui peuvent aller encore plus difficile, 1, 2, 3 et 4. Je pousse et je pose. Le but du jeu, c'est de monter le bassin au plus haut. Mais je peux rester sur la variable 1. Je reprends la variable 1 pour le démarrage de l'exercice. Souffler. Et si je dois garder toute la durée de l'exercice sur la première proposition, je garde la première proposition, quitte même à faire les autres propositions et à revenir sur celle-ci. Première proposition, 1, 2, j'essaye de monter au plus haut, 3, le bassin, 4, si vous voulez continuer ici, continuez ici. Les autres, on peut aller plus loin, je reste là-haut. Je souffle. Si je peux, des fois, je pose mes filets. Là, je reste là-haut si je peux. Et pour les autres encore. Et 1, remontez le bassin. 2, remontez le bassin. 3, vous sentez les épaules et le dos. 4, 5, 6, 7. Je glisse, 8, 9 et 10. Peut-être que les autres, c'est encore ici, hein, c'est parfait. Allez, on rejoint les copains. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je lâche. Yes. Je vais refaire exactement cette proposition-là sur la variable qui vous convient. Si vous devez rester sur les coudes ou reste sur les coudes, je vais la refaire en planche, ici. Alors, vous pouvez alterner. Choisissez, s'il vous plaît, votre exercice ici. 1, 2, 3, je peux gardez juste ici, 4, 5, c'est vous qui voyez, ça travaille là derrière les omoplates. Ok, pour les autres, ici, 6, encore, 1, 2, j'ai entendu, 3, je décolle à peine, 4, ça fait juste ça, 5, remontez le bassin, 6, 7, soufflez, 8, 9, 10, et je rejoins les copains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, jusque 17, 8, peut-être j'ai déjà posé, hein, c'est déjà bien, c'est pas très confortable ces exercices d'eau, et posé, yes. Vous avez fait sur les avant-bras aussi. Soufflez, on repasse sur les abdos. Allez, gainage. Alors, s'il faut mon gainage, je le garde comme ça. Première proposition. S'il faut, je reste là. Deuxième proposition. À vous de voir. Troisième proposition. Alors, on fait 10. Hein. Les autres, restez en statique s'il faut. Et dernière proposition, la diagonale. 1, 2, 3, 4. Soufflez. 1, 2, 3.
3, 4, soufflez. 1, 2, 3, 4, soufflez. 1, 2, 3, 4, posez. Ça, c'était sur les avant-bras avec les 4-5 propositions. Choisissez bien la vôtre. C'est la même en gainage, planche sur les bras tendus, mais vous pouvez rester sur les avant-bras comme ce qu'on vient de faire. Ma consigne sert de récupération. C'est parti. Bras tendus ou pas. Ici, première proposition, je peux faire tout l'exercice ça, avec un peu de ça, si je veux. Et les autres, on va aller plus dur. Attention, celui-ci. Et attention, on va passer à la diagonale pour ceux qui suivent. Et les autres, restez là s'il faut. Allez, on est ensemble, tous différents, mais ensemble. Allez, la diagonale pour la proposition la plus dure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je crois que c'est pas mal. Yes. On va faire du Superman quand ils ont une proposition d'eau. Soufflez. Je récupère mes bouteilles pour le Superman. On peut boire un petit coup. J'ai super soif. Hein. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai pas attendu Noël. Hein. Au boulot, il y a plein de chocolat. Je mange plein de chocolat. Allez, vous êtes prêts? On part sur Superman avec toutes ces variables. On est à plat. Ah, ça, c'est un peu pénible parce que j'ai envie de dire que je ne vous vois pas, mais en fait, je ne me vois pas. J'ai l'impression de voir quelqu'un me voir. En fait, ça ne va pas. Ça me perturbe. Ça, ah, c'est trop bien. Yes. Allez, vu sur les œuvres d'art. Ils sont d'être à 4 chattes. Ok. Vous voyez de près. Superman. Avec ou sans les petits poids ou les petits livres. Donc, on connaît un. Je peux lever les cuisses ou pas. Et je lève les épaules, le buste. Et je serre les omoplates. Ah, c'est dur. Ici. Et c'est parti. 1, 2, 3. Je reste statique s'il faut. 4, 5, 6, 7. Serrez les omoplates. 8, 9, 10. Et posez. C'est une première proposition. Je peux garder le statique quoi qu'il en soit. On va faire plus dur. Un peu devant et je me redresse. 1, 2. Mais si c'est trop dur, je reste sur le facile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serrez les omoplates. Et 10. Et lâchez. On en a plein des Superman. Allez, courage. C'est vrai que des séances d'eau spécifiques, on n'en fait pas beaucoup en cours. Toujours ces abdos et ces fessiers. À cause du chocolat, justement. C'est reparti, on refait du Superman. Ici, ici, je peux rester que là. Je vais ouvrir sur le côté et faire les ailes d'avion. Serrez les omoplates.
1. Vous pouvez rester ici hein, si ça ne me plaît pas. Si c'est vraiment trop pénible. 2. 3. 4. 5. 6. Serrez les omoplates. 7. 8. 9. 10. Je peux lâcher les bouteilles hein, aussi si c'est trop désagréable. 13. 14. 15. Jusque 20. 16 si je veux. 17, posez sinon. 18, 19 et 20. Ok. Récupérez. On garde super mal. Il est trop bien pour le bas du dos. Soufflez. On refait super mal. La variable, si c'est trop dur, c'est la variable qui vous convient. La variable qui est respectueuse pour vous. Et sinon, j'enchaîne sur omoplate serrée et je vais tourner d'un côté puis de l'autre. 1, jusque 20. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et lâchez. Super mal. Ok. On va refaire un petit peu de gainage et un petit peu de dos dans l'autre sens. On va commencer par le dos. Changer un peu de travail des muscles. Ici. 1, 2, 4, 5, 6, 7, on garde ça, puis les autres, 8, 9, 10, 11, allez, si je veux, hein, 12, sinon je garde le premier, 13, 14, 15, je rejoins les copains, 16, 17, 18, 19, ça glisse et lâchez. Ok. On repart le même sur les bras tendus si je veux. Sinon, je garde sur les avant-bras. Et là. 1. Ah oui, je peux le faire ici. 2. 3. 4. 5. 6. Et les autres, 7, 8, 9, 10, gardez la première hein, s'il faut, 12, 13, 14, 15, peut-être vous êtes sur les avant-bras, 17, 18, levez les fesses, 19, lâchez doucement. Et je repars en gainage. Ici, soufflez. Première proposition, statique ou en gainage, petit mouvement ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, il y a aussi celle-ci, 6, 7, 8, 9, et pour ceux qui veulent, 10, la diagonale, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Allez, la dernière de cette série
C'est en planche. Sinon, j'en refais une sur les avant-bras. Soufflez. C'est parti. Ici. Ça peut être là. 1, 2, 3, 4 et les autres 5, 6, 7. Peut-être vous êtes sur les avant-bras. Hein. 8, 9, 10 et les autres 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Manque un côté. Et lâchez. Ok. Dernier, c'est notre Superman. Soufflez. Et ce sera le dernier. Allez, Superman. Bouteille ou pas bouteille, c'est vous qui voyez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai chaud, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. S'il faut, je garde cette proposition. Je peux même le faire en statique. Deuxième proposition, vous savez, avec les bras qui vont devant. Et après, ce sera les ailes. Allez, deuxième proposition. Ici, on a dit les bras qui vont devant. Je peux lever fort les cuisses ou pas. Ici. Et un, bras tendu si je peux. Sinon, je garde la première proposition qu'on vient de faire tout à l'heure. Deux, ici, quoi. Je reste là, hein. Sinon, des mouvements. Trois, soufflez. Quatre, cinq, six. Je ne suis pas obligée de faire 20. Hein. Sept, huit, neuf, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et yes! Ah purée, c'est vrai que c'est dur. Et dernière, les ailes. Récupérez. On en a encore une. Soufflez. Après, les bras tendus. Ici, là. Et 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10, 11, trop dur, je reste là, 13, 14, 15, tirez les bras, 16, 17, 18, 19, et 20. Yes, j'ai fait tout ce que je voulais pour vous faire travailler une séance sur la dominante dos et il y avait un peu d'abdos avec nos planches et nos gainages. Aussi, c'est une séance qui est particulière parce qu'on la répète peu, on a tendance à faire abdos-fessiers et pour le coup, tous ces exercices dos, gainage de cette manière, on n'a pas trop l'habitude et à force de répéter, ben, c'est toujours pareil. On devient meilleur. Bon, en effet, le confinement, ça fait de bien personne. Ok. On va un tout petit peu s'étirer sur ces derniers instants. Ah.
Comme on a fait beaucoup de dos, enfin, je ne cache pas, j'ai toujours mal aux genoux. Donc ça passe. Voilà, celui-là, il va nous faire un de ses biens. Les bras bien accrochés au sol. Les fesses qui tirent en arrière. Et on va jouer de la respiration. Inspirez. Fort, tirez. Le dos, tirez le dos. Expirez. Encore. Bloquez un peu la respiration. Profitez pour bouger un peu la tirez le dos. Expirez. Ça tire les bras aussi. Ça fait du bien. Tirez, tirez, tirez. Arrondissez un peu le dos. Expirez. Et je lâche complètement. Et les bras aussi. Et soufflez. Restez dans la position de l'enfant. Tout le monde me voit. Soufflez. Allez. C'était peut-être un peu dur. Mais on est content d'avoir fait son maximum. Ce qu'on a pu. Ça fait du bien. Et je passe en position de chat. Alexandra. C'est des codes entre nous. Miaou. Ok, allez, le dos rond. Soufflez. Et on va aller chercher dans la lenteur la cambrure. Et je tire. Le dos rond. Yes. Oh, ça fait du bien. Sortez du cœur. Poussez fort dans les mains. Arrondissez ce dos. Même le bas du dos. On peut tenter de ramener un peu les mains des genoux. Voir ce que ça change. Ajustez. Voyez là où vous pouvez pousser ce dos. Et doucement, je vais chercher. Soufflez. La cambrure. Ouais. Là. Et encore. Yes. Poussez, poussez, poussez ce dos. Et lâchez. Ok. On pourrait faire plein d'étirements encore. On va faire celui-ci. Là. On va tirer un peu les omoplates. Alors, j'accroche bien mes mains. Je m'agrandis, je sors la poitrine et je lève les bras. Ça va vous étirer les bras, les pectoraux. Là, quand je sens que ça lâche les mains, je reviens sur mes fesses. Encore. Tirez ses bras. Ça serre le dos. Et lâchez. Ok. On va faire notre petit auto-massage. Genoux, poitrine. Soufflez. D'un côté. Basculer les genoux d'un côté puis l'autre. Cet auto-massage sur le tapis. Et on va laisser basculer les genoux d'un côté. Vous ne voyez rien, c'est tout noir. Et je vais mettre mes bras en croix. Les genoux sont basculés d'un côté. Je laisse déposer. Alors, vous pouvez ajuster les genoux plus ou moins haut. Regardez ce que ça change pour vous. Ça tire aussi dans l'épaule.
et derrière. Et je laisse déposer mes genoux plus proche de la poitrine ou moins proche. Regardez ce que ça change et regardez où est-ce que ça vous fait du bien. Et regardez la main derrière. Soufflez. On va changer de côté tout doucement nos genoux. Pareil, j'ajuste la hauteur de mes genoux, plus ou moins proche de ma poitrine. Voilà, moi très clairement de ce côté, ça ne dépose pas. Alors je vais laisser déposer 90 degrés, mes genoux d'un côté et souffler. Yes. Allez, ça tire l'épaule, tire le bas du dos, ça détend. Respirez. C'est la fin de notre proposition ensemble. Moi, j'ai bossé toute la journée au bureau. Pour vous, ça me fait du bien d'être là avec vous sur cette séance. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi, c'est bon pour nous tous, quelles que soient les propositions qu'on a faites. Allez, on lâche. Je commence à avoir même un peu froid. On revient tout doucement dans une position pour reprendre notre vie à la maison. Merci Michel. Et puis revenez, passez les vidéos, choisissez, ne lâchez rien, lâchez pas le mouvement. J'ai tendance à grignoter plus. Alors pour compenser tous ces tracas et tout le stress, on revient sur le mouvement. Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage et puis gardez la pêche. Et le moral. Ciao, ciao, ciao. Vous me direz si vous avez eu des courbatures. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Merci Michel. Faut pas que j'en mange trop. Waouh, miam, régalez-vous. Salut Anne-Marie. Ciao, ciao. Merci pour vos commentaires. Bonne soirée.